Salut à tous, aujourd'hui c'est Black King, Ghost Club pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment monter le Ghost Client Vape. Là on a déjà relancé Minecraft, maintenant on va lancer le Vape. Ça c'est la vraie version de Vape et non pas la fake, qui est détectable avec le cheat marche de la route. Bon là on a Vape avec tous les cheats, wouhou. Allez, autocliquer, wouhou. Bon. Maintenant, pour le détecter. Quand vous allez screenshot le mec, il va bien sûr fermer le mail. Vous allez aller dans son point Minecraft. Ensuite dans les logs. Et vous allez ouvrir le last log. Vous allez bien regarder l'heure de l'ouverture de son Minecraft. Là c'est 15h24-29. Ensuite vous allez aller dans ce dossier là. Ordinateur, Windows. Et vous allez aller dans le dossier Prefetch. Là. Vous allez l'ouvrir. Et vous allez faire modifier le. Pour tout trier. Par exemple là on a ouvert un 24 29. Voilà, donc là. Là c'est quand Minecraft a été lancé. Ça c'était le Minecraft. Et ensuite, ça c'était le veille. Pile au moment. Enfin, ça peut avoir une trentaine de secondes plus tard. Mais quand vous voyez plus de 3 logs. Enfin, comment expliquer ça? Quand vous voyez deux logs de Java et par la suite vous voyez encore deux logs de Java, ça peut être soit un Vape, soit un autocliqueur Java, soit un autre client injectable. Et donc vous avez cramé le Vape. C'est si facile que ça. Bon, sur ce c'était ZBlacking. Au revoir. Peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo comment détecter l'incognito. C'était.